Bon, je quitte Clerval, il est 7h35 et aujourd'hui encore une grosse étape. Donc je disais une longue étape, j'aimerais faire 160 km et rejoindre Verdun sur le Doubs. À prolonger un canal, je trouve que ça attaque droit dans le pentu. J'en fais 5 km que je suis en train de faire des bosses. Voilà, après cette petite bosse pour un réveil musculaire, espérons qu'on suive un peu plus le canal. Le canal, le Doubs. Allez, je mets une petite pièce sur le Doubs. Alors ici, ben, des écluses sur la rivière. Ça, c'est assez rare. Ça veut dire qu'elle doit être navigable. Mais en même temps, il y a un barrage. Donc, il y a une écluse pour passer. Ah, il n'y a pas à pinailler, c'est beau la France quand même. C'est beau la Colombie, mais c'est beau la France aussi. Canal dégagé. Vent, rivière encaissée, vent. Clandestin. Petite portion de route. Parce que là, faut dire que les falaises, ça se resserre. Belle vallée encaissée, le Doubs. Plus classique comme format de canal, non? Petit platane, beau goudron, petite berge. Mais je pense que les parois rocheuses m'accompagnant, c'est pas encore terminé. Tiens, regarde s'il n'y a pas du vent. Regarde le drapeau de pirate et le tché, s'il brille pas dans cette direction. Et moi je vais dans celle-ci. Bon, on va prendre cette petite passerelle, je devine. Ah bah non, même pas. Passerelle. Bon bah ça, j'imagine que c'est la citadelle de Besançon, non? Je suis nul. Bon bah derrière moi, là-haut, tout au fond, second plan, la citadelle de Besançon. Que je ne connais pas et que je ne connaîtrai pas encore cette fois-ci. Bateau pour les cyclistes, c'est très très simple à comprendre. Tu vas monter et tu vas redescendre. Même un vélo, ils te font chier. Je vais essayer que ça me verse pas dessus. C'est la première fois que je vois ça. Pourtant, je commence à avoir une jolie petite expérience en canot. Allez, pour changer, une route de crête. Donc, le canal et la grande route est là. Là, il doit y avoir une autre. Non, là, il y a la voie ferrée. Voilà. Moi, je suis au milieu. Et bien évidemment, tu devines que pour arriver ici, mais pas neutre énergétiquement.
l'idole aussi. Oh là là, toutes ces villes que je connais pas. Évidemment la retraite et le camping-car. Bon, dans Paris, on change de thème. On passe de canal à forêt. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une petite boucle. Je sais pas. Voie non aménagée, ça paraissait plus une partie du canal privé pour une industrie, je sais pas. Donc on fait une boucle. Qui dit boucle, dit côte. Mais normalement, j'ai plus qu'à redescendre. Mais voilà, je rejoins la voie bleue et c'est très exactement ici que je l'avais quitté. Donc cette portion, je la fais dans l'autre sens. C'était l'unique portion de la voie bleue qui était les pieds au sec. A voir si je peux en faire plus cette fois-ci. Si je ne m'abuse, je ne te l'ai pas filmé à l'aller. Eh bien, c'est le début du canal Rhin-Rhône. C'est là qu'il commence. Tu me diras, il commence pas dans le Rhône. Tu vois que je raconte pas que des conneries. Toujours Saint-Jean-de-l'Aune, mais une entrée par l'autre côté cette fois-ci, puisque c'est le retour. Bon, là, je me rappelle bien, sur ce tronçon, c'était l'euphorie. L'euphorie parce que c'était le premier tronçon de voie bleue que je pouvais réellement faire. Là où j'étais pas obligé de suivre les départementales avec toutes les hésitations et les kilomètres en trop que ça implique. Bon là, 140 bornes dans les pattes, je suis un petit peu moins enthousiaste. Mais ça va. Pas l'impression d'être sur la bonne voie. C'est ce qui me paraissait pourtant le plus simple, mais j'ai rien compris au panneau. Bien beau chemin de halage, hein. Bien beau. Bien long. Bien beau. Je suis toujours sur le chemin de halage. Et j'ai beaucoup moins de vues, mais je préférerais presque ça parce que j'ai beaucoup moins de vent. Et on revient à des vitesses normales pour une dépense énergétique calculée. Et ça fait aussi du bien au moral. Je ne sais pas si tu l'entends à la voix. Voilà, l'écluse est interdite. Bon miracle, la sœur, je retrouve la bonnette. Très jolie. Ici, ça sent clairement la zone qui était sous les eaux il y a 2 semaines quand je suis passé, ou quand j'ai pas pu passer. On sent bien cette petite boue séchée là. Là, c'était immergé. Finalement, à la voie bleue, c'est surfait parce que celle-là aussi, je l'ai prise à l'aller. Et je l'ai prise pensant faire un détour pour cause de route inondée. Et visiblement, c'est bien la voie bleue. J'ai pas raté tant de kilomètres le long. Petite route anti-inondation. Je pense que si celle-ci est coupée, les bleds que je viens de passer sont inaccessibles, non? Je vais revenir ça comme ça. Voilà ma destination. Verdun sur le Doubs. En espérant que le camping qui était totalement inondé la semaine dernière soit plus aujourd'hui. Alors le jour, l'eau était ici. Je te remettrai peut-être une photo. Vous fermez. Non, allez-y.